là où ils se confondent bien, par contre, c'est sur les racines, comme vous pouvez voir, c'est assez incroyable. Je me demande pourquoi c'est vraiment circulaire comme ça, je me demande s'il n'y a pas eu à une époque peut-être quelque chose pour les contenir. Donc, système racinaire, vous pouvez connaître, qu'on appelle traçant, le genre de choses qu'il ne faut pas planter à côté de son mur, sinon, la maison dans l'arbre, en fait. Justement le ficus avec des fleurs de flamboyant, c'était vraiment bizarre. Vraiment, en tout cas, chez nous, deux mois dans l'année, etc. Bon, des pionniers, ils sont un peu déréglés, ils vont faire une petite fleur par-ci par-là, mais c'est un peu capté. En 1930, tout ça, il n'y a pas ces arbres-là. Hein. Ah ouais, donc ils sont pas si vieux que ça. Voilà. Ben oui. Peut-être la cinquantaine. C'est tout bon, c'est étonnant. Là on voit bien Maé qui est là. C'est lui, là, voilà. Et devant il y a des gens. Derrière on voit quand même la. Voilà, ça commence à se végétaliser. Et d'après vous, qu'est-ce qu'ils font ces gens là? Pourquoi ils sont là? Une manif. Non. Elle est peut-être pas très claire. Dans des chevaux, ouais. Ils chevaux. Attendent quelque chose avec des bêtes. Est-ce qu'il faut le train. Ouais, très bien. Bien vu. C'est le parking. Ils attendent le train. Ils attendent le train. Ah oui, le train était là. Oui. Ah. Alors c'est marrant, je trouve, parce qu'il a le baobab, on dirait un peu un pied d'éléphant, je trouve. Et ces fruits, on dirait des petites souris, donc c'est un peu un paradoxe. C'est vrai qu'il y a pas mal d'oligo-éléments, magnésium, manganèse dans les feuilles, donc on peut faire aussi des tisanes, etc. Ouais. Et le pain de sage, effectivement, on fait une boisson qui s'appelle la bouille, je crois,